Garanimsa. C'est un bon café. Alors, on est venu se reposer un petit peu. Lilia, elle fait dodo. Alors, on l'a laissé avec sa grand-mère. Alors, on a dit pourquoi pas profiter un petit peu tranquillement. Ça. Hein? Oui. Ça oui. Te plaît toujours le séjour Oui, bien sûr. En Tunisie, beaucoup mieux qu'au Maroc. C'est pas vrai, hein. Les Marocains, manifestez-vous, hein. C'est pas vrai. Le Maroc est beaucoup plus. Développé que la Tunisie. Non, la Tunisie aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Sousse, la région où je suis actuellement. C'est beau. C'est une région touristique aussi. Les plages sont magnifiques. Et oui, mais c'est à voir. Si vous avez besoin d'informations, quoi que ce soit, des endroits ici en Tunisie ou bien en Maroc, juste à me le dire en bas de la vidéo. On peut vous donner des astuces, des endroits et aussi comment. Si vous voulez acheter de quoi là, comment on dit ça? Kifesh tchatro? Kifesh mediru HB comment? Marwan il a décidé d'essayer la chicha hippie. La hippie avec une les jeux. Une chicha de sportif. Oui, ça a l'air. Hein? La chicha hippie avec les jeux de lumière. Montre-nous comment ça. Ben bon chicha alors. Good morning. Aujourd'hui on est l'avant-dernière journée pour retourner au Canada. Et ce que je vous ai montré tantôt, c'est du pain. Ma belle-mère, elle a gardé vraiment les anciennes traditions pour préparer le pain de temps en temps, c'est pas toujours. Elle a décidé de nous préparer le pain ici. On l'appelle en Tunisie khoubz tabouna. Et c'est super. Bon, c'est vraiment très 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 bon. Je vais vous montrer ça par la suite. Et voilà, ça donne ça comme pain. Très bon, il est chaud. Ça sent vraiment bon. Le four, il est fait d'argile. Et c'est vraiment biologique. C'est très très bon. C'est beaucoup meilleur que le pain qu'on achète dans les pâtisseries et tout.
je l'ai vraiment vu.